Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la relaxation. On arrive d'une grande journée, toute prise, on a travaillé sur l'ordinateur, le stress de toute la journée, et je vous propose en fait un super anti-stress. La plante numéro 1 que vous connaissez, c'est l'huile essentielle de lavande. La lavande ou le lavandin, déjà calme, détend, relaxe. Et on peut l'utiliser de différentes manières. Elle est bonne pour les grands comme pour les petits, pour les malades comme les bien portants, et elle a l'avantage de pouvoir s'appliquer sur toutes les peaux. Ici, je l'ai mélangée avec une composition un petit peu de menthe, qui pousse parfaitement bien ici en Suisse. Et mon rituel numéro 1, c'est 1, 2, 3 et 4, comme si on voulait chasser le mal, se vider la tête. Et ça fonctionne bien pour la tension que l'on a sur l'ordinateur, pour les maux de tête, quels qu'ils soient. Et c'est un mélange tout simple qui est lavande, menthe, rose et géranium. Ça, c'est la première chose que l'on peut faire pour déjà se relaxer, éclaircir son cerveau. Ensuite, il y a des personnes qui ont encore un petit peu de mal à dormir. Dormir avec un sommeil difficile, une perturbation du système nerveux qui se réveille plusieurs fois dans la nuit. Eh bien, la première chose, c'est que je vais dire, en fait, il faut déjà supprimer le thé, le café, les excitants en tout genre. Vous le savez tous, le sucre est un poison pour le système nerveux. Il suffit de regarder des gamins qui sont dans un supermarché ou dans un magasin et qui frappent les parents, qui se traînent par terre. Ces gamins, on leur supprime les petits produits sucrés, on les gorge et on leur donne à profusion des fruits secs, des fruits séchés, tout ce qu'ils aiment comme fruits, sans aucune limite de quantité. Et sous 10 jours, ces petits démons deviennent des petits anges qui vont dire « Ah, maman, que puis-je faire pour toi ?» Ce qui n'était pas le cas 10 jours avant. Donc les boissons sucrées, les sucres et les produits sucrés, d'une manière générale, portent atteinte au système nerveux. Ce ne sont pas des enfants qui sont hyperactifs, la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont hyper excités par l'excès de sucre. Je parle maintenant du sommeil. Le bon sommeil, et j'ai commencé à parler de la lavande, et la lavande qui va détendre, comment on va l'utiliser cette lavande? Eh bien, une vingtaine de gouttes sur la main. On va frictionner le plexus solaire, la nuque, la base de la colonne vertébrale, la plante des deux pieds. Le soir, deux fois dans la soirée, avant le dîner par exemple, et avant le coucher. Et puis ce mélange, lavande, marjolaine, petits grains, néroli, camomille, ça sont les plantes qui permettent de bien décompresser. Dans les 20 minutes qui suivent l'application que vous avez fait des huiles essentielles sur la peau, à quelque endroit que ce soit, ces huiles essentielles sont dans le sang et dans la lymphe et vous apportent déjà leurs propriétés. Alors j'ai fait trois compositions qui fonctionnent depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans d'ailleurs. Il y en a une pour le stress. Elles toutes sont sur une base de lavande. Il y en a une qui est à base de camomille, bois de rose, rose, santal, et qui est la composition préférée des enfants. Donc on peut aussi, dans la chambre, le soir avant de se coucher, mettre dans un diffuseur d'arômes quelques huiles essentielles, ou bien les vaporiser, se mettre en harmonie avec des plantes qui vont permettre la détente et la relaxation. L'effet est immédiat. Si vous êtes dentiste, c'est mieux d'utiliser dans votre salle d'attente des compositions décontractantes. Tout comme on va le faire avec avant une séance de yoga, avant une séance de méditation. C'est la raison pour laquelle j'ai pris mon grand maître Bouddha pour nous proposer effectivement les huiles essentielles. HAR est une composition à base de bois de rose, camomille, santal et rose. On peut la boire sous cette forme. On peut la mettre dans une petite tasse avec une petite quelques 5-6 gouttes, une cuillère de miel, un peu d'eau chaude et boire directement son thé relax. Et puis on va aussi utiliser la friction, troisième paramètre, élément que nous allons apporter, et bien ce sont les hydrosols. Les hydrosols, ce sont les eaux qui ont servi à la distillation de la plante et puis on va pouvoir les absorber, donc c'est le litre et demi d'eau dans lequel on va mettre 5 cuillères à soupe de l'hydrosol de lavande ou de camomille ou de mélisse ou de néroli et qui permettent de nettoyer et la super composition, le mélange qui s'appelle le BioRelax. Au choix, je propose de varier les plaisirs
Et chaque semaine, en développant votre intuition, vous allez trouver la plante, l'hydrosol, l'huile essentielle qui vous convient le mieux.